Lorsque viennent les chaleurs, je vais faire mon petit baigneur au bord de la Tiraine. Vers mon casson droit, je nage à perte haleine, en respirant la brise du soir. Mes yeux dans l'eau se perdent, je respire la marée. Oh, dans la tire-tête, dans les journaux nous lisons tous les jours des drames d'argent, des drames d'amour. Monsieur Machin s'est fait sauter le caisson, truc dans la Seine a fait le plongeon. Mais des passants qui venaient à passer se jetèrent à l'eau et l'ont sauvé. Moi, comme la vie, je voudrais en finir. Pour être sûr de mourir dans les eaux de la Tiraine, je me laisserai glisser. J'aurai l'âme sereine, sachant que la mort sera vite arrivée dans les eaux de la Seine. Oh, mais l'on va se noyer. Tandis dans la Tiraine, on évite à s'exciter. Des doigts. La fille du Bédouin se branlait dans un coin. La fille du Bédouin se branlait dans un coin avec une banane. La fille du Bédouin se branlait dans un coin avec une banane. Et moi dans l'autre coin. La fille du Bédouin se branlait dans un coin avec une banane. Et moi dans l'autre coin. On m'attend son coin. La fille du Bédouin se branlait dans un coin avec une banane. Et moi dans l'autre coin, on m'attend son vagin, je mordais comme un. La fille du Bédouin se branlait dans un coin avec une banane. Et moi dans l'autre coin, on m'attend son vagin, je bandais comme un âne. On va faire la fanchon, vous la connaissez tous, vous la chantez avec nous. Hein. Bon sang, bon sang. Tu vas prendre un peu plus haut. Par contre, comment t'es ta... Faut appuyer sur le même bouton. Pour voir Bernard, oui, c'est lui donné. Non, mais c'est marrant, c'est bien.
Et voilà la vie que tous les moines font. Voilà. Pour notre coucher dans un lit au drap blanc. Pour notre coucher dans un lit au drap blanc. Une jeune homme de 15 à 16 ans. Une jeune homme de 15 à 16 ans. À la taille de la vie, et au dépendant, on voit acheter bon. Et voilà la vie que tous les moines font.
On tire au sort les équipes.
Combien on est d'abord? Ah bah voilà. Bah usez vos boules là-dessus, hein. Ouais. J'en mets la même. Voilà. Ouais. Et oui. Ça fait le mieux. Ça fait le mieux. C'est pas la même. Allez, pointe devant. Du chou farci, et vers 8h, 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci. Le festin est paisible, comme il sortait son dard, non, sans dur, sans dernier argument, elle se laissa bébé. Écoutez gentiment, ici le cul, curieux ne saura jamais ce que fit le vivi du sujet. Mais le temps qu'il lui dise, mais, méfie-toi, elle était déjà enceinte de 3 mois. Elle se trouva tout concernée. Il lui dit, faut bander nos volontés. Tu vas garder ton trou. Tout bon mouton, moi je reprends mon bout, l'eau de moussaillon. Privé de son amour, elle mouillait deux mouchoirs par jour. Enlevant de son nœud passé, elle faisait pitié. Elle lança des dépêches éplorées, disant j'ai un chagrin de pensionné. J'ai pas besoin de vivre dans le bonheur, mais toi t'es occupé ailleurs. Toi tu reprends ton boulot et me laisse avec mon trou, avec mon troupeau. Je devais plus être mousse, et finalement t'étais en mer tout le temps. Il revint très sous ton vêtement, disant on t'a monté tout certainement. Tu devais garder ton trou loin du pays, mais t'as sûrement désobéi. Elle lui dit, je veux que tu me respectes, et je veux plus que tu me suspectes. Mais lui visant le chat, à peau de la bergère, tira trois coups de revolver, affolé de ce qu'il avait fait, brandissant son pistolet. Il alla la mourir dans son caca, son canot qui mouillait par là. Ce fut la fin de ce cul curieux romain. Si vous y avez trouvé quelque agrément, c'est que vous êtes très complaisant et gentil. Et moi je vous dis merci. M'a un peu durci l'oreille, que disiez-vous là? Je disais que les infidèles. Début de la balade. Moulin de la Tranchère. Ah. Mais c'était au bord de la même rivière. Mais il y a des gens qui habitent là. Non, c'est des cabanes de jardin, ça. Cabanes de jardin. Ah, il y a des cabanes là-haut. Des jardins qui en bas. Ah bon? Alors elle me dit, ah toi tu fais gaffe, quand je t'ai vu à des obsèques, on fait à des obsèques en général. Et elle a repris du rouge. Et là,
Ah bon? Elle garde la pêche alors. La première, s'il y a des gens qui savent danser la bourrée, ils sont les bienvenus. Parce qu'en tant qu'auvergnat, on va commencer la journée par une bourrée. Et on finira bourré. Quel jongleur de mots. Nous allons maintenant vous chanter le chant du départ. Le four à chaud. Préparation de l'apéro. Pas pour tchatcher, ça tchatch. C'est mon verre là, qu'est-ce qui m'a pris mon verre? J'ai un blanc. Putain Maria, je sais pas comment tu fais, c'est le quatrième que tu bois là. À force de dire quand t'as piqué ton verre. Oui, c'est exprès. Ah mais tu sais Claude c'est un peintre hein. Il marche sur la voie de Jean. Thank you.
Oh,
Et j'étais très décalé au niveau des sous-vêtements aussi parce que ma maman, pour que j'ai pas froid au ventre et pas froid au dos, m'a acheté des petits des culottes petits navires ou petits bateaux, je sais jamais la marque. Et des espèces des marcelles du même métal, mais qui avaient la particularité de ne pas avoir d'élastique. Et de s'attacher, la culotte s'attachait après le Marcel avec des... Alors, vous avez connu ça? Ah, parce que la plupart du temps... Et alors là, c'est impeccable pour le confort du ventre et du dos, sauf les jours de visite médicale à l'école, où on vous dit... Mettez-vous torse nu. Alors pendant un certain nombre d'années, pour les visites médicales, j'étais bien torse nu, effectivement. Mais quand on me disait, vous vous bouchez les yeux comme ça, et c'est sans doute un des traumatismes fondateurs de mon existence. Ma mère s'en est beaucoup voulu, d'ailleurs. Non, tout ça, c'est une bêtise, mais il ne faut jamais me dire des trucs barboteuses, parce que j'ai toujours un machin en face de la barboteuse. Donc vous dire le bonheur de vous accueillir ici, qui est un endroit, alors là si vous voulez vous mettre extrêmement agréable, que vous imaginerez, enfin vous découvrez extrêmement ordonné. Il n'y a que les ânes qui pensent qu'ici c'est en désordre. Et les ânes, il y en a quand même une flopée, c'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai construit la machine qui est à l'entrée là-bas, qui s'appelle la machine à échapper au con. Et que j'entretiens régulièrement parce que la menace est de plus en plus grande et elle ne décolle qu'une fois. Non mais vous dire le bonheur de vous accueillir ici, surtout encore plus dans la sonorité de Jean-Pierre Votrane. Christian, merde, je suis content. Parce que je voulais dire quelque chose d'agréable par rapport à Jean-Pierre. Et parce que Christian, on a quand même un bout d'histoire commune et puis on a plein de choses à partager. Et puis parce que je trouve qu'il a vraiment un son à... Bien sûr quand il chante, enfin si on peut appeler ça chanter, mais il a quand même vraiment un son exceptionnel au saxo. La seule chose qui m'a ennuyé à chaque fois, c'est Jean-Pierre Speck. Quand je le vois chanter dans ce souffler dans ce gros truc, je m'inquiète parce que c'est un mec qui a vraiment une chanter le temps. Non mais il fallait le dire. Quentin Julot, bravo. Voilà. Je veux te rappeler, Jean-Pierre, que j'ai toujours l'intention, avant de mourir, de chanter un jour un grand standard de jazz que tu m'as déjà sélectionné il y a de nombreuses années. Et un standard de musique trad en tapant pendant 5 minutes les claquettes. Et si mon cardiologue me l'ordonne, l'autorise, je le fais. Voilà, je voulais aussi, je trouve que la circonstance est à sa pièce, mais non, le chaînon manquant, c'était, en fait, il était purement conceptuel, c'est-à-dire qu'on a loué depuis très longtemps le fait que l'homme, quand il s'est mis debout, ça lui a permis de développer son cerveau, on a même dit il a développé la main, ce qui est rigoureusement faux, parce que les singes en ont quatre. Les singes, ils opposent leur pouce aussi bien au pied que main. Non, la singularité de l'homme, c'est le pied, voilà. Et alors, ça tombe bien que les cardiologues aient fait le lien. Donc, comme l'homme a un pied, que le pied, c'est ce qui l'a rendu intelligent, ça serait vraiment trop con de renoncer à marcher. Bravo. Alors, bien évidemment, parce que je suis peut-être le dernier à parler de la marche, enfin, vous dire, de la marche en vérité. Il y a d'autres qui parlent d'autres choses, mais ça n'a rien à voir avec le sujet que je traite. Mais bon, on ne m'a pas offert cette occasion. Alors, je vais vous parler de la chaux. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que la marche et la chaux, c'est la même chose. En fait, celui qui marche en vérité, il est exactement dans la même problématique que le CaCO3, qui est cette espèce de chose dont l'Auvergne est constituée en majeure partie. Le volcanisme est quelque chose de très très anecdotique en Auvergne. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu quelques savants et Volvic, le volcanisme, personne n'en parlerait. Je veux dire, l'Auvergne, elle est quand même constituée pour l'essentiel de ce qui s'est déposé au fond d'un grand lac et qui s'appelle, enfin, sous des formes diverses, qui s'appelle les sédiments, sur des centaines de mètres. Et donc là, derrière vous, il y a plusieurs, derrière vous, à vos pieds, il y a plusieurs centaines de mètres sur lesquels, à une nappe de basalte, un jour, a couru au fond d'une vallée. Et puis, comme c'était dur le basalte, les sources, les rivières, elles ont plus mordu dans le basalte, elles
elles ont mordu à côté, elles ont descendu. Il y en a où on est à quatre pattes, on est sans doute à quatre pattes depuis la période des Romains, elles font grosso modo 3 mètres de large et elles font 120 de haut, et elles sont constituées de CaCO3 pratiquement pur. Le CaCO3, il a l'avantage de donner de la très bonne chaux, mais il a surtout l'extrême avantage, c'est qu'on peut le cuire depuis... Enfin bien, les Romains ont inventé la chaux, ils l'ont amené en Auvergne, les Auvergnats ont toujours aimé, ont toujours adoré. Ma belle-mère. Vive la chaux. Donc la chaux vive. La chaux vive, c'est un truc, oui, on peut dire ma belle-mère, parce qu'effectivement, c'est certainement le système le plus efficace pour réduire les belles-mères. On peut trouver que c'est une qualité dans ce cas-là, mais quand même, ça a beaucoup d'inconvénients parce que ça brûle. Et ma mère m'avait toujours raconté qu'on disait à Romagna, elle avait entendu dire qu'il y avait des tombereaux qui prenaient feu avant de sortir de Romagna. Et en fait, j'ai retrouvé plus tard, parce que comme ma mère me l'avait dit, c'était doublement juste. C'était forcément juste quelque part qu'elle l'avait entendu, puis c'était forcément ma mère. Vous savez, ma mère, c'est celle des... Et alors, en visitant le site de chez Lafarge, c'était pas sur le Rhône, c'était pas des tombereaux qui prenaient feu, c'était des péniches. Donc on savait bien que la chaux vive, il fallait un peu l'éteindre, on lui mettait un petit peu d'eau, mais il ne fallait pas mettre trop d'eau, sinon on repartait aussi à la CO3. Et c'est là que le marcheur et la chaux sont pareils. C'est-à-dire que le marcheur, celui qui marche en vérité, c'est-à-dire celui qui a compris que la distance n'était pas seulement ce qui séparait un point à un autre, mais c'était ce qu'il rapprochait de lui-même. C'est-à-dire, plus la distance est grande, plus on se rapproche de soi-même. Parce que la marche, c'est... Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ouais, mais si tu veux le dire, tu consultes ton plan de vie. Bernard, c'est ça. Donc, en fait, parce que la marche, c'est un transport. Ça vous porte, ça vous livre. Ça vous amène à vous-même, la marche. Enfin, c'est une autre histoire. Mais quand même, le CaCO3, c'est la même chose. Parce que l'obsession du carbonate de calcium pur, après qu'il va être brûlé, et après qu'on va le mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'on va faire des enduits, des choses comme ça, sa seule obsession, c'est de retourner à l'état de CaCO3. C'est-à-dire que la chaux, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je suis très très attaché à ce lieu, la chaux, c'est la métaphore absolue de l'existence. Enfin, quand elle existe. C'est-à-dire de se poser pendant un grand moment la question d'où je viens et de s'apercevoir de où on va. Ce qui apporte une réponse définitive à la question des origines. Les origines ne sont pas derrière nous, elles sont toujours à construire devant. C'est ce que nous apprend la marche et la chaux. Voilà. Donc au 19e siècle... Terme politique, puisque nous sommes en période d'élection. La Turquie a du pain dans l'aile pour entrer dans la communauté européenne. Et il se murmure que l'Ukraine serait bien partie pour la remplacer. Il est temps d'apprendre l'ukrainien. Et M. Vladimir Popov, ici présent, va nous donner une leçon d'ukrainien. Добрий день. Із острова нас три причині. На простор річної волни. Ви виплатють розпізні. І за стеренки разіна українські. J'ai l'impression que tout le monde n'a pas compris. Je vais demander à Vladimir Popov de nous faire une traduction. Меня переводит. C'est chez vous en France, on trouve beaucoup de petites femmes à marier sur le club internet. Craignos. Tandis chez nous en Russie, on trouve beaucoup de petites femmes à marier sur le club internet. Craignienne. Elle est pleine de l'Ukraine.
de l'Ukraine, un cosaque, l'air comaque. Thank you.
Oulala, oulala. Yeah.
Tu dis à mon mari, alors ça lui fait chanter. Je dis à ma mère, je suis dans ça, je dis à ma mère, de sa Bernard, nous sommes les poils de sa Bernard. Couchez tôt le soir et levez tard matin. Couchez tôt le soir et levez tard matin. Quand il nous en nous regardons la chanson. Voilà qui est beau et beau et beau. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie, chérie, papa. Et voilà la vie que nous les bois. Croyance à vous.
Thank you.
Jean-Plan,